Bonjour à tous, bienvenue sur Enzo TV, je suis Enzo Foucra et aujourd'hui nous nous retrouvons à Escalform en salle pour la démonstration technique d'un exercice pour les jambes, les fentes haltères, mais version statique. Donc cet exercice sollicite principalement les quadriceps, mais également les ischios jambiers et les fessiers. Donc la particularité et l'intérêt de cet exercice, c'est que déjà premièrement, il demande très peu de matériel, tout du moins dans la version que nous allons voir aujourd'hui, c'est-à-dire les haltères. Donc exercice réalisable pour ceux qui ont accès à une salle, mais également pour ceux qui s'entraînent chez soi. Deuxième chose, c'est un travail unilatéral, et comme vous le savez, ou pour ceux qui ne le savent pas, le travail unilatéral est idéal pour ceux qui ont soit une asymétrie musculaire, j'ai plusieurs questions, plusieurs fois on m'a posé la question, j'ai un pectoral qui est un peu plus développé que l'autre, également le trapèze. Sachez les amis que le travail unilatéral a cette particularité, c'est de pouvoir rééquilibrer les disproportions ou les asymétries. Le travail d'aujourd'hui est un travail unilatéral, comme je viens de le dire, intéressant aussi pour les personnes qui ont un déséquilibre au niveau des forces ou pour les personnes par exemple qui sortent malheureusement de convalescence après une opération, une blessure, il y a une petite perte musculaire. Le travail unilatéral, encore une fois, est hyper intéressant pour ces personnes. Donc, au niveau de l'exécution, je vais saisir ma paire d'haltères en prise neutre, c'est-à-dire pomme de main face au corps. Donc pour vraiment bien, parce que vous allez vous apercevoir les amis que les fentes, la réalisation des fentes, notamment avec les haltères, parce que c'est un exercice, un petit aparté, c'est un exercice qui est réalisable aux haltères, ou également avec une barre, soit la assist machine ou la barre guidée. L'avantage de la barre guidée, c'est que il n'y a pas de déséquilibre possible, puisque on est vraiment, c'est qu'à dire, on est guidé. Le seul petit désavantage qu'il peut y avoir avec la version haltère, c'est cette notion d'équilibre. Il peut y avoir de l'instabilité. Mais encore une fois, il y a des points techniques qui nous permettent de contrecarrer cette instabilité et on va commencer de suite par ça. C'est-à-dire que lorsque je vais prendre mes haltères, la première des choses pour vraiment s'assurer une bonne stabilité, c'est un gainage permanent au niveau des abdominaux, mais également les amis, les épaules en position arrière. Je vais m'assurer d'avoir les épaules en position arrière pour m'assurer un dos bien droit. En aucun cas lors des fentes, il faut avoir les épaules projetées en avant et le dos arrondi. On est toujours, voilà, épaules en position arrière. On gagne bien au niveau des abdominaux, encore une fois, le regard est porté vers l'horizon. Si je regarde vers le bas, inconsciemment, je vais arrondir le dos. Si je regarde vers le haut, inconsciemment, je vais antéverser, c'est-à-dire que je vais accentuer la cambrure au niveau des lombaires, ce qui n'est pas forcément très bon. Donc regardez bien droit devant vous, les épaules en position arrière, je gagne bien au niveau des abdominaux. Ensuite, on va effectuer un grand pas. Ok. Au niveau de l'écartement, sachez que plus cet écart entre les deux jambes va être grand, plus vous allez solliciter les ischios jambiers et les fessiers, intéressant notamment pour vous, mesdemoiselles et mesdames, mais nous aussi les hommes, il ne faut pas négliger le travail des fessiers, mais sachez que plus cet écart va être grand, plus vous allez porter l'attention du travail sur les ischios jambiers et les fessiers. Plus cet écart va être réduit, plus l'attention sera focalisée sur les quadriceps. Donc voilà, donc je ressaisis mes haltères. Je gagne au niveau des abdominaux, les épaules en position arrière. Je suis fort au niveau des abdominaux. J'effectue ce grand pas. Comme vous pouvez voir, le talon de ma jambe arrière est décollé. En aucun cas, on le laisse au sol. Selon les personnes, le pied de la jambe arrière peut être légèrement excentré. Légèrement, c'est-à-dire légèrement porté vers l'extérieur. Et là, les amis, on arrive au moment crucial de l'exécution des fentes. Et c'est sur ce point-là où je vois le plus d'erreurs commises, qui peuvent être assez néfastes. C'est qu'en fait, n'oubliez pas que les fentes, c'est une flexion de la jambe avant, mais c'est une flexion qui est faite sur un axe vertical. Et j'insiste bien, vertical. C'est-à-dire que lorsque je vais effectuer ma flexion, c'est mon bassin qui va descendre verticalement et le genou de ma jambe arrière. Et comme vous pouvez voir, je lâche les haltères, comme vous pouvez voir, le genou de ma jambe avant, en aucun cas, n'a été projeté. D'accord ? Le genou de ma jambe avant est en point fixe. Regardez, pendant toute l'exécution du mouvement, mon genou ne bouge pas. C'est mon bassin qui effectue une descente verticale et le genou de ma jambe arrière qui descend à l'aplomb. Si vous ne pensez pas à faire cette descente verticale et que vous pensez à la flexion, voilà ce que ça peut éventuellement donner et voilà ce qu'on voit souvent dans les salles. Comme vous pouvez le voir, regardez, mon genou, dans certains cas extrêmes, va dépasser mes orteils. Là, les amis, comprendrez bien que l'articulation du genou, notamment le tendon,
il est soumis à un stress énorme qui peut éventuellement amener à une tendinite. Et même pour l'articulation, ça la malmène fortement. Donc, encore une fois, hein, pensez bien. Et pour le pouce sur l'air, je gagne bien au niveau des abdominaux. Je reprends le terre. Et c'est mon bassin qui va descendre à la verticale. Le genou de la jambe arrière va descendre à la verticale, que vous pouvez voir. Hein. Aucune projection du corps vers l'avant. Mon talon, le talon de ma jambe avant, est perpendiculaire à mon genou. Et je pousse en focalisant sur une poussée du talon. En aucun cas, l'avant ou l'arrière de mon pied ne doit décoller. Hein. J'inspire. Mon genou arrière est limite à toucher le sol. Et je pousse vers l'avant en expirant. Voilà les amis, ce qu'il faut bien retenir, c'est cette notion d'axe vertical. En aucun cas on doit projeter le corps vers l'avant. Les genoux doivent constamment être dans la direction de vos pieds. En aucun cas on doit avoir de choses comme ça, de genoux vers l'intérieur et de pieds vers l'extérieur ou alors droit. Les genoux sont toujours dans l'axe de nos pieds. Donc voilà les amis, cette vidéo est terminée. Au niveau du nombre d'exercices de série, bah c'est un exercice où on effectuera 4 séries. Classique au niveau des répétitions, 8 à 10 répétitions. Temps de repos entre chaque série, 1 minute. Alors de deux choses l'une, hein. Soit vous réalisez à 1 minute de repos, hein. Soit vous réalisez côté droit, j'enchaîne avec le côté gauche. 1 minute de repos, donc ça fera avec le travail de la jambe précédente, on va dire peut-être 1 minute 30. Ou alors, 2 minutes de repos pour les personnes qui veulent vraiment travailler en masse. Dans ces cas-là, j'effectue toutes les séries. C'est à mes 4 séries sur la même jambe et ensuite j'alterne et je fais les 4 séries sur l'autre jambe. Les fentes hein, sont un très très bon exercice. Plusieurs variantes connues. Hein. Vous pouvez faire des lunges. Vous pouvez faire du walking, c'est-à-dire en marche dynamique. Vous pouvez faire du stepping. Le stepping en fait, c'est j'effectue mon pas, ma fente et au moment de la phase concentrique, je reviens en position de départ. Maîtrisez déjà, surtout les amis, j'insiste vraiment, maîtrisez cette notion de verticalité, de flexion sur un axe vertical. Une fois que vous avez maîtrisé ça, vous êtes certain non seulement de travailler efficacement, mais également de ne pas malmener l'articulation du genou. Parce qu'il y a une articulation du genou qui est défaillante, mais c'est vous couper beaucoup d'options pour vos futurs progrès, les amis. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne. La semaine prochaine, on se retrouve en cuisine avec mon ami Philippe Cartry, hein, où on vous fera une petite vidéo dédiée à la nutrition pour la sèche. D'ici là, je vous souhaite tous de très très bons entraînements. Vous étiez sur Enzo TV, je suis Enzo Foukra. À la semaine prochaine, les amis. Ciao, bye, salut.